Bonjour, voici les petites fleurs en faïence après avoir été façonnées et séchées, ainsi que l'ensemble du travail en extérieur du jour, avec pour une part donc les petites fleurs qui avaient été préalablement cuites et qui ont été désormais décorées, donc ce qu'il en reste puisque les autres ont été rangées. Ensuite, quand elles ont été décorées, je les émaille. Donc là, elles sont juste émaillées un instant. Ce sont les fleurs qui se retrouvent avec une petite couverte transparente. Et pour celles qui sont colorées, donc on a en fait la couleur qui se révèle par transparence aussi. Voilà. Donc ensuite, une fois cuites, elles se retrouvent posées sur tige. Voilà, donc c'est celle qu'on retrouve au fond là-bas, avec différentes tailles pour réaliser des bouquets à sa guise, selon son budget et selon ses goûts. Donc voilà, plusieurs tailles possibles. Donc là, vous les avez aussi par couleur à l'intérieur. Et puis vous avez également alors la gamme en grès. Donc là je ressors pour vous montrer tout ça. Alors la gamme en grès. Donc ici on a déjà les fleurs façonnées et cuites une première fois, donc ce qu'on appelle le dégourdi. Elles sont à présent solides. Ensuite je leur passe une couche d'émail. Et donc là, on va cuire à 1300 degrés pour ensuite sortir émaillé et solide. Donc l'avantage du grès, c'est qu'on peut les laisser en extérieur toute l'année. Et ensuite, nous les retrouvons sur les tiges. Voilà, petit chantier du jour. Et la journée se termine et je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Kenavo.